Hey, oui, ben Eric, présente-nous le plat qui t'a inspiré de la nation Anishinaabe. C'est ça, avec la communauté de Pikogan. Eh bien, je me suis servi évidemment de l'outarde. Puis les fameuses, tu sais, les oreilles de Chris, d'ours dans le film, ouais. Et puis ben, moi j'ai pris du bacon, les cuisses, tu vois, les cuisses d'outarde ont été confites, et puis la poitrine, je l'ai simplement mis à mariner dans un peu d'huile d'olive et puis du citron confit. La transmission du savoir, puis la transmission de la culture se fait par la nourriture. C'est aussi important que la transmission par les chansons, les poèmes, la nourriture a... En elle-même, c'est une transmission de tout ce que tu es, parce que pour moi, comme je te dis, la nourriture fait partie entière de ce que tu es. Donc, comme on dit souvent, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ben, c'est ça. Donc, Eric, on va se faire un sandwich. Je pense qu'avec tous les parfums qu'on a ici, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, je te laisse composer. OK. Je vais mettre mes doigts. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Un peu de rillette. Alors, la rillette qui a été faite avec les cuisses de l'outarde. Ah oui. Qu'on a fait confire, puis après on a mis un petit peu de gras. Voilà. Je pense que j'ai assez patienté. Ouais. Donc là, on va essayer de manger ça. Chef, allons-y, tout de go. On y va. On va ouvrir la bouche. Ouais, on est capable. Bon, ouais, bon appétit.